Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Des temps anciens sont à remonter pour conter l'histoire de Noël. D'origine païenne, cette fête célébrée à la fin du mois de décembre, la renaissance tant attendue de la nature, et l'espérance de vie nouvelle lors du solstice d'hiver. Par la suite, la chrétienté y voit la naissance du Christ et aujourd'hui, Noël est fêté dans beaucoup d'endroits du monde. D'une célébration frugale et conviviale, remerciant la nature, Noël s'est transformé en un moment familial incontournable qui doit être riche en nourriture et riche en cadeaux. Du moins, ce n'est que l'envers du décor. Gaspillage alimentaire, achat compulsif de produits manufacturés made in China. Voilà aujourd'hui, si nous reprenons l'origine de Noël, la manière dont nous remercions la nature pour toutes ses offrandes. Avons-nous donc perdu la réelle signification de cette célébration? Pour beaucoup d'entre nous, de nouvelles normes se sont mises en place. Pourtant, Noël est avant tout le partage de moments agréables et festifs, tous ensemble, et la manifestation de notre amour pour nos proches. Noël se traduit aujourd'hui par un cadeau coûteux comblant un désir renouvelé chaque année, par un consumérisme décomplexé, ou bien un gavage alimentaire qui nous fait déjà redouter le réveillon du premier de l'an. La norme commerciale de cet événement est imprimée dans chacune de nos têtes, avec parfois un étalement des achats sur plusieurs mois pour obtenir le Noël mérité. Alors, un Noël 100% green, c'est quoi? C'est peut-être l'occasion de concocter un bon petit repas bio avec des produits de qualité plutôt que de manger à foison des produits coûteux et qui ne respectent ni l'environnement ni notre santé. C'est aussi l'occasion de faire une déco de Noël maison qui sortira les plus jeunes de devant les écrans et contribuera à un partage étonnamment riche avec nos enfants. Et c'est également le moment de fabriquer des jouets personnalisés, éco-responsables. Tout ceci n'est nullement une utopie, mais bel et bien une éducation qui commence à faire des émules. Fabriquer un cadeau personnalisé, écologique, comme un savon, une bougie, voire même un dessin pour les plus petits, signifie beaucoup plus qu'un achat instantané sur Amazon. Il existe également des entreprises qui vous proposent des cadeaux responsables. Les temps sont durs aujourd'hui pour les sentiments qui sont écrasés par le poids du matériel et de la jouissance immédiate. Rappelez-vous à quel point les bons sentiments n'ont nullement besoin d'artifice. Joyeux Noël, Pierre. Ah, c'est pour moi? Oh, écoutez, Thérèse, merci beaucoup. Il fallait pas, vraiment. Pardon. Voilà. Oh, écoutez. J'espère que ça vous plaira. C'est dur avec vous, vous avez tout. Oh non, écoutez, Thérèse, rien que d'avoir pensé que c'était Noël, c'est déjà formidable. Oh. Alors, vous n'ouvrez pas? Si, bien sûr, mais écoutez, de l'extérieur, c'est magnifique. Oh. Ah. Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez. Non, Pierre, c'est un gilet. Ah oui? Ah ben, bien sûr. Ah ben, alors, bien sûr, c'est un gilet. Il y a des trous plus grands pour les bras. Alors, je suis ravi, Thérèse. Je suis ravi. Et point de vue coloris, parce que j'avais pensé à un joli camaillot de bleu marine, comme je sais que vous aimez bien. Puis je me suis dit, dans ces tons-là, ça changera. Vous avez tout à fait raison, Thérèse, parce que le gris et le bordeaux, ça va avec tout. Alors, vous ne risquez pas de vous tromper. Oui, c'est une chose qui n'est pas commune et que vous ne verrez pas chez tout le monde, hein. Ah, mais j'espère bien, Thérèse, j'espère bien. Écoutez, si vous saviez ce que ça tombe bien, je me disais encore hier soir qu'il manquait quelque chose pour descendre les poubelles. Je suis ravi, Thérèse. En offrant mon cadeau maison, j'offre également une leçon de vie. C'est cela, oui. Eh bien oui, j'enseigne autour de moi que notre environnement est à préserver, ainsi que les humains contribuant par leur travail à nos envies. Le temps que j'ai passé à confectionner mon cadeau était un temps consacré à la personne, et finalement, se satisfaire de peu provoque une joie inébranlable, alors que la frustration provoquée par l'attente d'un seul jouet hors de prix sera comblée sur l'instant, mais sera aussitôt remplacée par de nouvelles envies.
Il est dans le droit de chacun d'attendre toujours plus. Cependant, cet état d'esprit créera toujours un peu plus de frustration. Alors que la résilience, la prise de conscience que nous ne sommes pas tous égaux devant Noël, nous incite au partage et à la solidarité, qui sont 100% gratuits et épanouissants pour l'individu. Aussi, en cette période de fin d'année difficile en France comme partout dans le monde, où le système mis en place il y a quelques décennies agonise, profitez de ce moment précieux pour vous retrouver en famille, entre amis, entre connaissances, entre inconnus, pour partager vos sentiments, votre empathie, et pour construire ensemble une nouvelle année plus radieuse. C'était Monsieur Green, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent Noël vert 2018, rempli d'amour et de partage. Fin de la retransmission. Comment c'était ? Oh ! Oh ! Oh ! C'était un pur, absolument délire. J'ai trouvé ça pas Green, oui ! Green, comment ? Oh, super green, aussi green que ça peut être. Green, la puissance des green, 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 tu vois ? Alors tu vois le green, green, absolument green, un green plus green.